l'anatomie du samovar. Si tu l'attends, tu gênes monsieur. Là. C'est pas si mal. Mais depuis peu quand même. Hein. Alors là, chérie, carrément, c'est porno. Hein. Avant 1992, les environs de la ville de Chouar accueillaient la plus grande base militaire aérienne soviétique de Mongolie. Depuis le départ des Russes, la plupart des bâtiments sont laissés à l'abandon, de sorte que les sites évoquent plutôt des villes fantômes. Une statue du premier cosmonaute mongol se dresse devant la gare dans un paysage un peu désolé. Le paysage du Gobi est plat, aride et très faiblement peuplé. À Sechand, qui signifie curieusement « bon étang », le paysage reste toujours morne et lunaire, jusqu'à la frontière chinoise. Le chant diphonique mongol est une technique de chant permettant de produire plusieurs chants à la fois et donc de faire du chant polyphonique. Notre compagnon marseillais, Cyprien, s'y est exercé avec succès dans les bars de Oulan-Bator. Le réseau ferroviaire de Mongolie et de l'ancienne Union soviétique utilise un écartement de voie légèrement supérieur à celui utilisé ailleurs dans le monde. Pour que le train puisse poursuivre sa route, il faut soulever les voitures et remplacer les bogies. Un travail long et impressionnant, conduit par des Chinois ravis de montrer, semble-t-il, leur technicité.
Du poste frontière d'Erlian, le train met une demi-journée pour rejoindre Pékin. Nous sommes en Mongolie intérieure, les Chinois ayant annexé ce territoire en 1949. Le train poursuit sa route à travers des collines et des vallées verdoyantes où la culture du maïs occupe une très grande place. Il pénètre ensuite dans la province du Hebei, région de mines de charbon, où la pollution industrielle provoque un ciel bas et lourd comme un couvercle.